Eh bien, salut tout le monde, c'est TheBullyMap9. Et aujourd'hui, on se retrouve. Ah! Eh, tu fais pas peur sur l'écran de titre! On se retrouve sur Dead Space et je vais baisser le son, j'entends même pas ce que je dis. Oh, blah, j'aime pas ça. Ah, le son! Eh, y a pas un volume général? Bah écoutez, on va tout mettre à la moitié. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. À tout mettre au quart même, parce que je suis une lopette. Ah, pandidieu. Bon, on a baissé le son, c'est parti. On est donc sur Dead Space, les gars. On est sur Dead Space pour un nouveau Let's Play. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ça va être trop chiant pour le moment de lancer le truc sur PS2 avec... Prince of Persia, parce qu'il y a toujours les systèmes de câbles que j'ai pas tout, ça me saoule. Après, il faudra que je m'habitue au logiciel, et en plus, il faut que j'ai un PC à côté de ma console, du coup. Et ça, soit ça me demande encore d'autres adaptateurs pour brancher directement la console sur un écran d'ordi, soit je sais pas comment je fais. Donc voilà, c'est trop le bordel. En plus, j'ai plus une thune, donc on va se contenter de Dead Space pour le moment, qui était censé arriver après, mais qui du coup va arriver avant. Écoutez, je fais ce que je veux avec mes Let's Play, je vous emmerde. De toute façon, personne les regarde. On va commencer une partie. Je suis désolé aussi si le jeu tourne en 4 tiers, c'est juste que j'ai pas les reins dans mon PC pour faire tourner le jeu mieux que ça avec Fraps. Donc on va rester comme ça et je verrai selon comment j'utilise. Parce que j'ai téléchargé un logiciel de montage pour mettre, vous voyez ma petite tête, salut. Si je suis là c'est que ça a marché, salut. Ouais, et donc le logiciel de montage, si j'ai fait comme je veux, vous avez normalement ici le jeu, ici ma tête. Et bon, du noir ici, je verrai ce que je fais, je m'en fous. Et si j'ai pas réussi, bah j'aurais étiré un peu le jeu. Donc ce sera l'aspect un peu étiré sera du fait que je serais passé du 4 tiers de ma résolution actuelle à du 14 ou 16 neuvième, je sais pas encore. Je sais même pas si je vais faire ça. De toute façon, vous verrez bien comment à l'heure actuelle comment se déroule l'option vidéo de... Ouais, commencer, c'est mieux, hein. Raisonnable, j'aime bien, c'est raisonnable. C'est pas trop, c'est pas trop. Il y a 2-3 monstres, mais tu vas voir, ils sont cool. J'ai envie de mettre facile pour pas me faire chier, parce que je sais même pas si le jeu est censé être un peu difficile ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est surtout pour me faire peur, parce que je sais que le premier Dead Space fait vraiment peur. Le 2, moyenne, plutôt peur aussi. Et le 3, ils avaient carrément pété un watt et ils ont fait enfin un jeu d'action. Mais le 1, je sais qu'il fait vraiment peur et que c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer. Est-ce que je me mets en facile, les gars? C'est le gros dilemme. C'est le gros dilemme, et ouais, je vais me mettre en facile. Je vais faire du facile parce que je suis une lopette. Tout simplement. Voilà. Et pour progresser, surtout, c'est un let's play avant tout. Je remarque que plus les let's play, quand je suis tout seul, j'aime bien du challenge, mais les let's play, j'aime bien que ça avance. Là, si j'avais été tout seul, j'aurais même pas hésité une seconde, les gars. Mais là, pas tout seul, bah non. Bah non, j'hésite et je fais ma lopette. Eh oui! Eh oui, cet écran de chargement est tellement beau. Par contre, moi, c'est trop chiant. Je sais pas s'il y a un moyen, parce que mon écran est en 16:9, mais du coup, il étire de base la résolution et ça va me donner une image hyper étirée. Je sais, parce que j'ai déjà passé un bon moment à régler les graphismes pour que ça tourne à peu près correctement avec Fraps. Et là, je me teste les cinématiques. Electronic Arts Presents. Ah non, c'est écrit en français. Une production EA Redwood Shores. Dead Space. Allez, c'est parti. Isaac Clark, ingénieur spécialisé en astronautique. Donc ça c'est ok. Localiser le vaisseau de forage, identifier les causes de l'accident. D'accord, donc on va déjà sur un vaisseau accidenté. Ça passe très bien. Alors je sais que j'ai déjà vu cette cinématique parce qu'on peut pas la passer. Mais ça, j'avais fait les réglages il y a longtemps, pardon. J'aurais aimé parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé de travers. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Isaac, je regrette tellement. Qu'est-ce que tu regrettes? Oh là. Combien de fois et là, on est parti. Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde.
cobalt, silicium, osmium. Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures au max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. À mon avis, c'était recherche pas un problème d'encodeur, ça. Atterrissage automatique à venir. Ouh! Bordel! Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique? Vous êtes malade? Annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! On s'est scratché dès le début un vaisseau dans un autre vaisseau, mais tout va bien. Ah non, ça va. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Jolies fesses. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Okay. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Ok, il est. Ah, il est là. Hey, vous risquiez de pas bien m'entendre, je l'avais pas bien mis. Je viens de voir Bouge ça sur la caméra. Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Ouais. Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Ok. Bon, bah salut. Ça, c'est nous, donc. Nous sommes Isaac. Nouvel objectif. Alors, on peut bouger. Alors, je précise, le jeu... J'ai mis trop près. Le jeu tournant 800 x 600 à 25-30 FPS constant. J'ai pas réussi à faire mieux, je suis désolé. Et voilà. Donc, je vous l'ai dit, si c'est étiré, c'est normal, c'est ma faute. C'est parce que j'ai étiré, tout simplement, parce que j'ai pas trouvé de meilleure solution. Histoire que vous ayez pas deux bandes noires absolument dégueulasses. Courez pour fuir vos ennemis. Marchez, voir la souris, courir mage. Ah. Déjà, on n'a même pas commencé. Là, on est en mission pour réparer des trucs. Et là, ils nous disent courir pour fuir vos ennemis. Genre, ça t'annonce bien le truc, tu sais. Non, 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 tu vas pas réparer quelque chose. Hein. Non, c'était pas un problème d'encodeur, non. Non. Bizarrement, je m'en doute un peu. Eh, mais c'est qu'ils sont posés, ils ont des petites télés et tout. Ok. Bon, déjà, on a vu que lui, il y avait apparemment une femme ou quelque chose qui lui disait « Isaac, je regrette tellement !» et qui est sur ce vaisseau. Donc, je pense que le but va être, comme dans tout bon jeu qui se respecte, de sauver la donzelle en détresse. Je vous avoue que je connais absolument rien. J'ai regardé une partie de Let's Play sur Dead Space 3. Et c'est tout. Ils sont totalement détruits. Oh, putain. C'est incroyable. On a tout cassé. On a tout cassé. Non. Oh, regardez-moi cette animation de boule qui bouge quand on marche. Je parle du mec, hein. La fille aussi, fais voir. Fais voir ton cul. Ah. Nice ass woman. T'as fait bizarre d'avoir une caméra qui parlait. Coucou. Pour ensemble couper partout. Isaac, venez et déverrouillez ça. Arrêtez de parler, bande de PNJ. Alors, Isaac, quoi? En attente. Ouverte. Alors, ouvrir les portes, E. Quand elles sont bleues, elles sont ouvertes. Quand elles sont rouges, elles sont bloquées. Ici, elle est rouge, donc elle est bloquée. Ici, il n'y a pas de porte. Et ici, elle est bleue, donc elle est ouverte. On va appuyer sur E. Mais la caméra n'en sera que plus drôle si j'ai peur. J'avais pas pu finir ma phrase à cause des PNJ.
Et ça veut plus rien dire du coup ce que j'ai dit. J'ai toujours une phrase random comme ça en plein milieu. Alors, ouverture. Et je me recule un petit peu. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des sautes juste. Que c'est des. Il y a des moments où tout d'un coup il y a un. Voilà, vous voyez, il y a des coups de lag, c'est bizarre. Ça faisait pas ça quand j'avais réglé les graphismes. Bon, c'est pas grave. Hop. Y'a personne, j'ai l'impression. Oula, oui, y'a des gros coups de lag. Je pense que ça ira mieux quand il y aura pas tous les autres PNJ. Parce que. Apparemment, ils étaient pressés de quitter les lieux. Ouais. La sécurité devrait nous attendre là. Il a laissé son fanta ouais, on dirait pas. Je vois personne ici. Et je ne capte aucune transmission. T'as pas de réseau, ma poule? Putain, ils ont laissé leur fanta par terre. Font chier, les gars. Essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Ok, plus donc. De courant. Impossible. Alors faites-le revenir, bon sang. Putain, il est casse-couille, lui. Tu vas te calmer, le Black. Bon, si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Les gars, j'ai une blague, mais elle va. Elle est nulle, là, je vous préviens. Choisis la pilule. Droite. Pour être... Bon, je la fais pas. C'était sur Matrix, mais bon. Pendant un instant, je me suis dit que lui, avec des lunettes, ça faisait le gars dans Matrix. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, bref, ça, je vais me taire tout de suite, quoi. Traceur B. Écran carte, virgule. Écran objectif J. Alors, on va essayer tout ça. B. What? Ah, notre chemin nous est donné comme ça. Ah oui, il y avait un truc un peu pareil dans Dead Space 3. Oui, d'accord, je vois. Par contre, quand on utilise ça, on peut plus bouger. Donc, c'est quand on est safe, on regarde le chemin et on voit qu'il faut aller dans cette porte. Très bien. Ensuite, il y avait virgule. Qui nous ouvre donc. Une carte absolument dégueulasse, sincèrement. Please, c'est quoi cette merde? Ah non, d'accord, c'est sur plusieurs étages. Ouais, c'est pas terrible quand même. Ah ouais, mais c'est super confus, mon gars, les étages qui se rentrent dedans là. Bon, ok. Comment on la ferme? Ok. Écran objectif, J. Là, comment, je peux pas changer de... Ouais, il y a des onglets en haut là, mais je peux pas les changer. Alors, suivre l'équipe de sécurité. L'Ishimura a l'air mal en point et votre navette a besoin de réparation. Oudia peut bien aider l'équipage. Ouvrez la porte ou du hangar. Je peux utiliser mes rigs, ressources invisibles greffées pour accéder au système d'affichage. Activer la console de sécurité. Il doit y avoir une console de sécurité pas loin. Ça devrait me permettre de vérifier les installations système. Très bien. Comment je fais pour jarter cette fenêtre là? Non, si j'appuie sur échappe, ça fait ça. Bon bah écoutez, je suppose que si je vais ouvrir la porte là. Voilà, la fenêtre disparaît. Ouvrir. Ouais, ouvrir. Vas-y. Hop, celle-ci est fermée. D'accord. Alors, c'était comment? C'était ça. Elle va où le point? Ah bah c'est là. Alors, excusez-moi, je me gratte la tête. Hein. On va pas aller très loin aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un test, surtout pour la caméra et tout ça. C'est un petit test pour ma part. On va se faire un coup de flip et on va arrêter. D'accord? Je sais pas s'il y a un système de sauvegarde automatique ou quoi. Fais voir. Apparemment, oui, il n'y a pas de bouton sauvegardé. Alors, charger le rapport de dommages. Ah, c'était bien. Objectif merde, atteint. Ça sent pas bon, ça. Les équipements ont morflé. Ouais. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Oh là, oh là là, oh là là. Merde, c'était quoi, ça? La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. Ça m'étonnerait. C'était quoi? Vous entendez? J'en sais rien. Putain. Que c'est? Putain. Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Oh putain! Ouvrez-feu! Oh bordel! Oh bordel! Ils peuvent pas rentrer par là-bas, dis-moi. Dites-moi. C'est par où? C'est par là! Oh putain! Oh putain! Casse-toi! Cours! Cours pour ta vie, Isaac! Arrête de laguer, Isaac! Y'a un monstre dans ton cul! Oh putain! Ah, ça lag! Mais ça lag à mort, les gars! Rentre là-dedans avant de crever! Comment je fais? Comment je fais? What? Oh. Ok.
Y'a plus personne. Y'a plus personne. Putain, par contre, quand je me suis mis à courir, il y avait des gros coups de lag, donc là ça m'a un peu inquiété. Mais bordel, qu'est-ce qui m'a fait peur celui-là? Eh, heureusement, heureusement que j'ai mis mon truc pour voir le petit chemin là, parce que sinon j'aurais jamais vu qu'il y avait une porte à droite, putain. Ah, les salauds. Putain, je vais remettre mon petit chemin d'ailleurs. Ah. Arrêtez de pleurer, arrêtez de crier, de faire. Enfin, je sais pas ce que tu fais, arrête de gémir. What? T'es mort, hein? T'es bien mort, hein? Oh! Un flingue! Ouais, toi t'as l'air bien décédé, quoi. Oh, bordel! Mode cible. Très bien. Tire. Ok. Recharge. R. Ouais, bon, bah c'est quand même un peu partout. Ah, si je mets E, ça ferme. Frapper, coup de pied, espace. Oh, prends-toi ça dans ta face, toi. Qu'est-ce que ça fait si je tape lui? Oh! Oh, désolé! Oh, je lui ai arraché son bras, putain. Ok. C'est comment qu'on sauvegarde, sérieux? J'ai pas envie de me retaper ça la prochaine fois. Par contre, ça, c'est quoi? Ah, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrêtez de vous mettre de la... Alors, énergie plasma. Alors ça, ça va être de la vie. Par contre, j'ai vu qu'il m'avait tapé. Et si j'ai bien compris, la vie, c'est le petit boutillon qu'on a dans le dos. Parce que ça, c'était pareil dans le 3. Et là, quand il m'a tapé, ça a pas baissé. Donc je pense qu'en fait, c'était impossible que je meure. Mais je me suis fait peur tout seul. Mais arrêtez de faire du bruit partout dans mes oreilles. Putain, c'est les autres, en fait, ils sont en galère. Ah, salut. Ah ouais. Nice. End. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je donne un coup de pied dedans? Apparemment pas. Faut que je tire dedans. Oh! C'était ça. Bon, on va continuer encore un peu, écoutez. Hein. Putain, ça fait déjà 17 minutes qu'on est là, donc non, ça va pas le faire. Bah écoutez, je sais pas. Vu que c'est pas long, je pense que je referai ça la prochaine fois si jamais ça va pas sauvegarder. On va bien voir. Voulez-vous quitter? Non, la progression de sauvegarder sera perdue. Bon bah écoutez, je veux bien voir comment je vais faire. En tout cas, nous, on va se laisser dans cette pièce et on se retrouvera ici la prochaine fois, je vous le promets. C'est une promesse de Buléon, foi de Buléon. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah, attendez. Cut there... Quoi? Cut there hums. Alors... ou there limbs. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué... Je pense que ça veut dire couper leur les bras, quoi. Ok. Bon, et bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois, les gars. Et d'ici là, salut! À la prochaine! Coucou!